Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo, toujours sur la voie de Tours, toujours le GR655 Ouest, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous souhaite un bon visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je réponds toujours et ça fait super plaisir. À bientôt. Bon bah écoutez, petit moment cueillette, donc ortie, voilà, ça sera ce soir pour la soupe avec la pluie qui est tombée entre hier en fin de journée et cette nuit ce matin. J'ai juste les lavé vite fait, bien fait, tranquillement, et ça ira dans la soupe. Je vous montrerai, je vous ferai une petite photo à côté pour vous montrer la soupe avec mes petites mouches chinoises. Il y a de la feuille de menthe aussi, donc je vais prendre aussi un peu de feuille de menthe et puis je vais faire un petit thé, un petit truc, voilà quoi, hein. Et je vous ferai une petite photo, voilà. Bon bah le temps s'arrange pas, hein. Vraiment le soleil est là, pas terrible, pas terrible du tout. Bon, allez, à la soupe. Donc après les orties, petite feuille de menthe, ça sent trop bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a le long là-bas, le long des arbres, il y en a une belle plate-bande, mais voilà quoi. Donc feuilles de menthe pour le thé, la soupe et les orties, comme je vous ai montré. Je vous montrerai le résultat, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la soupe. Voilà, je vais vous faire juste une photo avec les deux réunis. De cette journée off, petite méditation, ça fait un bien fou. Ancrage, marcher pieds nus comme ça, la nature, j'adore. Bon, un petit tour histoire de, pas trop loin, mais un petit peu histoire de marcher quand même. Promenade après avoir ramassé les orties, de la menthe, et j'ai pris aussi des pissenlits. Voilà, histoire de pour la soupe ce soir. Je vous mettrai la petite vidéo. Ah, il y a la dardane juste là. Il y a aussi du plantain. C'est bon ça pour moi, qui pour ma cheville, c'est vraiment très bien. Je vois pas par contre, non, pissenlit, dardane, plantain, voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Ah tiens, il prend un. Fin de journée, bien reposé, tranquille. Comme vous avez vu, ils ont, hein, petite cueillette, ortie, menthe sauvage, menthe des champs. J'ai pris aussi pissenlit. Ouais. Le pissenlit, tout ça, ça a été dans la soupe ce soir. Et puis avec la menthe, ma petite infusion. C'est trop bien. Il y a le coucher de soleil. Voilà. Et je vous souhaite une belle soirée à tous, hein, belle journée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, mais bon. En tout cas, que du meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à demain matin. Bonjour, bah voilà, lundi 6 juin 2022. Départ. Direction Vendôme, hein, parce que hier c'était un jour off. Donc voilà. Pliage du bivouac et direction Vendôme aujourd'hui.
Allez, je reprends tout à l'heure. J'ai pas beaucoup de batterie. Vu le temps d'hier, il n'a pas fait très beau. Donc, j'ai pas pu recharger les batteries. Pas assez. Donc, je reprends quand les batteries sont pleines. Allez, à plus tard. Voilà, les amis, bivouac rangé. C'est reparti. Lever de soleil, on le voit pas trop. Il y a les herbes juste derrière. Il est 7 heures. On le voit pas, ah, peut-être. Voilà. Bon, je charge mes batteries, prochain village. Vite fait, j'ai mis mon panneau solaire sur le sac. Il y a du soleil. Je pense qu'il devrait faire beau aujourd'hui. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. Ah, batterie, le téléphone va se vider, va s'éteindre dans 30 secondes. Bye bye. Donc, arrivé à Lille. Lise. Un petit tampon, juste là, voilà, petite église de village. J'ai pas joué. Voilà, petite église. Voilà, il y a Saint-Jacques à gauche. Zoom. Voilà notre ami Saint-Jacques. Voilà, allez. Je récupère mon sac et en avant. Et voilà, après l'île Saint-Firmin-des-Prés. L'église aussi là. Le chemin il est là-bas. Ok, tout droit. Alors ils disent que c'est une église du 11e siècle. Alors, je pense que ça vaut le coup d'œil si c'est ouvert. C'est obligé. L'église Saint-Firmin. Carolingienne. C'est ouvert, c'est fermé. C'est fermé. Ok, bon bah on l'aura vu de loin. Voilà. Et un petit parc. Vous arrêtez manger. Quant à moi, je continue. Voilà. Direction Vendôme. Donc là, c'est direction Saint-Ouen, je crois. Je suis sûr. Je pense. Moi, les noms, c'est une catastrophe, mais bon. Donc, direction par là-bas. Pour arriver à Vendôme. Voilà. Le temps est gris. Mais il fait bon pour marcher, ça va. Il y a du vent. Plutôt agréable. Allez, je reprends tout à l'heure, à la prochaine ville, Saint-Ouen, oui, Saint-Ouen, allez, à tout de suite. Voilà, bon, je suis à 4 km de Vendôme, il est pas tard, il est que 16 h, donc il y a possibilité de faire un bivouac là, hein, parce que honnêtement, regardez-moi ça, c'est plutôt joli. C'est plutôt joli à mêler en baignade interdit, mais bon, histoire de se laver vite fait comme ça, là, c'est pas mal. C'est du gazon. Là, c'est un ancien lavoir, ils l'ont fermé. Ah non, la porte est ouverte. Ah, j'ai mal vu de loin alors. Ah ben voilà, c'est ouvert en plus. Donc j'hésite parce qu'il y a des gouttes d'eau, pas beaucoup, mais un petit peu. Ah, petit lavoir. Ah oui, et comme il nous disait le monsieur, ça a bien baissé le Loir. Donc, il y a quelques gouttes d'eau qui commencent à tomber. Je me dis, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour rester ou pas? Est-ce que c'est la question?
La question. Et puis je voudrais bien avancer à Vendôme, mais c'est trop beau, vraiment, c'est magnifique. Ah, bon, je vous dis, je prends 5 minutes, je vous dis ça tout à l'heure. Allez, donc là, je vous ai montré le moulin, mais il s'est mis à caler. Je suis vite, vite, vite venu à l'église, mais regardez-moi ça, le plafond. C'est magnifique, mais vraiment. Waouh! J'en reviens pas. Il y a même une petite chapelle. C'est vraiment magnifique. Regardez, même là. En fait, c'est carrément creusé dedans et tout. Il y a des églises quand même. Ça vaut le coup. C'est vraiment magnifique. Très beau, vraiment très 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 beau, rien à dire. Voilà, bon, de toute façon je pense que je vais rester ici, ça m'est c'est mêlé, voilà, je vais rester là, je vais dormir là où il y a le moulin. Allez, je vous laisse sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Voilà. La nuit s'est bien passée, il y a eu de la pluie vers 3h du matin, 4h du matin, une grosse pluie, mais bon, ça a été, allez, super bien dormi à côté du lavoir, là, c'était super top. Là, il y a toujours le moulin, voilà, c'était super, je vois pas, par contre, il fait plutôt assez beau, je vois pas trop le lever du soleil, là, avec les arbres et tout. Oh là là, oh! Ah, trop bien dormi. Hop là. Voilà le moulin. Allez, petit déj, rangement du bivouac. Et puis en avant, hein, je voulais remercier aussi Philippe, Concelia, ses enfants, pour l'accueil hier. Ça a permis d'aller aux toilettes. Recharger aussi le téléphone. Et puis un gros sac de cerises. Trop bon, c'était délicieux. Et je crois que j'ai une cure de cerise là, c'est trop bien, trop content. Bon, allez, petit déj, j'ai faim. Petit déj, rangement du bivouac, et là, je suis à quoi, 2 km à peu près, je crois, de Vendôme. Donc, allez, direction Vendôme. Je connais pas cette ville, donc ça va être sympa. Et après, bah, ça sera Vendôme Tour, direction Tour. Là, je crois qu'on a déjà 55 km à peu près. Pour aller à Tours, donc mardi, mercredi, jeudi, il faut que jeudi, vendredi matin, il faut que je sois à Tours. Voilà, après ça sera la remontée, Blois, Amboise, Blois, Beaugency, Orléans, Artenay, Angerville, Étampes, mais en autostop, je ferai une petite vidéo spéciale autostop. Voilà, je vais faire des petits panneaux, machin et tout, puis je vous dirai combien de temps j'ai mis, les gens, s'ils acceptent d'être pris en vidéo ou en photo, bah voilà. De toute façon, je mettrai toutes les personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont donné un coup de main, qui m'ont aidé et tout, je mettrai les prénoms et tout, parce que voilà, c'est normal. Allez, je vous embrasse tous. Et voilà, reprise du chemin. Donc le chemin, il passe ici. Voilà, tout le long. Je vois la marque là-bas. Meslé sur le poteau. Meslé. Et la marque du GR. Il y a des travaux. Bah, écoutez. On verra bien. Allez, direction Vendôme d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes.
Max, le temps, fou, le temps il est pas beau, il n'est pas beau du tout, il n'est pas beau, pas beau, mais bon. Allez, on y va. En avant. Voilà, arrivé à Saint-Ouen. Arrivé à Saint-Ouen. Et là, une petite église. 9h05. Est-elle ouverte? Y a-t-il un tampon? Ouais, je sais pas. Et là, il y a un bassin de pêche. Donc le chemin, il passe. Il passe, vous voyez, sur le bord de route. Allez, je vais aller voir si je vois. Si c'est ouvert. Virage, café, épicerie. Là, il y a tout. Il y a tout ce qui est... Oh! Le nombre d'eau, c'est vraiment un endroit... énormément d'eau ici. Alors ça a l'air d'être fermé, je sais pas, fermé, ouvert, je reprends dedans. Voilà, c'est fermé. Donc la marque, la petite flèche, elle est là, elle est là, elle est là, hop là. Donc moi je vais par là et regardez là-haut. Ah, magnifique, un petit zoom. Voilà. Allez, je reprends tout à l'heure. Bah, merci à Arnaud et sa compagne pour le petit café. Super gentil. Un Saint-Ouen au Virage Bar. Et là, à Vendôme. Et je vais aller au Paul Bar. Voilà, c'est son frère qui tient ça. Et bah, j'allais lui passer un petit bonjour de la part de son frère et puis on va voir ce qui va se passer. Allez, la marque sur le poteau électrique. Allez, là on est au bord de la route. Hein. La marque elle est là, vous voyez la flèche. Donc allez, en avant Vendôme. Voilà, jolie petite fresque à Vendôme, Paris. Marseille! Marseille, oh, c'est vraiment joli, ils ont vraiment fait un beau truc. Oh! Astérix Obélix. Voilà. Et cette petite vidéo pour vous dire l'arrivée. Ah, Obélix. Ah. Oh, Goldorak! Vulgur au point. Actarus. C'est vieux ça. Et voilà, arrivé à Vendôme. Je zoome un peu. Voilà. Hop là, Vendôme. Allez, je reprends dans la ville. L'arrivée à Vendôme est assez jolie, vraiment. Donc là, je vais aller à l'église. Regardez, petite cascade et tout. Donc là, je pense que c'est aussi le Loir. Je passe ici. À tout de suite. Voilà, centre de Chartres. Donc là, il y a la tour avec l'horloge. Je vous mettrai le nom. Là, il y a Rochambeau. La statue de Rochambeau. Hop là. Magnifique. Vraiment, c'est très très beau. C'est top. Voilà, je cherche juste l'église maintenant. Ah bah. Eh ben voilà. Elle est là. Oh là 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 là. Ouh, je la découvre en même temps. Oh, le clocher, il est énorme. Regardez ça, l'église. Elle est magnifique. En plus, elle est ouverte. Ah, il y a quelque chose d'écrit là-bas. Regardez ça, quand même. La façade de la Trinité.
Ouais, je reprends dedans. Ah là là, elle est magnifique. Et après, il y a le cloître à aller voir. Mais je vais vous filmer tout ça, bien sûr. Oh là là, elle est vraiment très, très, très belle. Je sais pas si ça donne bien. Mais c'est vraiment très beau. Je ferai une photo tout à l'heure qui sera enfin du film, de la vidéo. Oh là là, c'est très vieux. Allez, je vous emmène. C'est une gothique flamboyante aussi. Ah oui, elle est belle. Voilà. Elle est belle, elle est jolie. Ok, ça me fait penser à Saint-Sulpice sur Favière. J'avais été voir la Trinité. C'est vraiment très beau. Ok. On va voir si on trouve aussi un petit tampon quand même. Pour notre, pour mon arrivée à Chartres. À Chartres. À Vendôme. J'ai vraiment un souci avec les noms, moi. Vraiment un souci avec les noms. Vraiment très haut. Vraiment, vraiment très haut. Très beau. Il y a de belles photos à faire, et de très belles photos à faire. Je vais chercher une prise. Je puisse être tranquille. Allez, je fais des photos. Donc voilà, l'église abbatiale de la Trinité à Vendôme. Bon, c'est vraiment très belle. Hein, voilà. Et juste derrière, nous allons voir le cloître. Du vent, j'espère que vous m'entendez.
Vendôme, et là voilà, il y a le cloître. Ça a l'air d'être magnifique. Ah! Présentation, lecture, patrimoine. Regardez ça un peu. Ah, c'est le musée. Regardez. C'est magnifique. Vraiment. Magnifique. Hop là. École de musique de Vendôme. Ah, c'est ça que j'ai entendu en arrivant. J'ai entendu une musique. Un petit musée. Musée de France. Voilà. Musée de France. Hop, et là on arrive encore sur une grande place. Prière de tenir les champs en laisse. Oh là là là, ok, chouf. Ah d'accord, c'est magnifique quoi. Château là-haut. Allez, je vous fais ça. Petit. Voilà. Grande place avec parking, jardin. Voilà, allez. Moi je retourne, je suis en train de charger. Je retourne à l'église. Je vous dis à tout à l'heure. Regardez ça. Complètement. Champ de tomates, céleri, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Allez, c'est magnifique, hein. Allez ça, hein, une éclaircie, une petite éclaircie. On va mieux voir comme ça. Allez. Magnifique, vraiment super beau. Allez, je reprends tout à l'heure. J'adore, c'est vraiment super beau. On peut faire tout, il y a tout là. Allez, à plus.